chaque année, ça met de l'eau à mon moulin. Voilà. Tout ça, c'est fait pour mettre le bordel dans les clubs, dans la tête des joueurs, pour engraisser les agents. Et voilà. Et en tout cas, c'est pas pour des clubs comme nous. Nous, tout ce qu'on peut récupérer du mercato d'hiver, c'est perdre nos meilleurs joueurs. Donc ça, c'est particulièrement chiant. Ça fait longtemps que ça dure, longtemps que je le dis, mais... Donc effectivement, j'ai hâte qu'on soit samedi matin, que tout ça soit réglé et qu'on reparte sur des choses un peu plus... voilà. Tu es un peu inquiet quand même pour les heures qui viennent ou t'as eu des... Oh, je suis pas inquiet, hein. je suis pas dans l'inquiétude, je suis dans l'anticipation et puis la possibilité de réagir vite. Voilà, au dernier mercato d'hiver, on a perdu un joueur 4 heures avant le coup d'envoi de Lens. Donc voilà, je m'attends à tout. Justement, on prépare forcément avant le match de 3 les différentes options. Alors, ça dépend un peu ça dépend de qui est concerné, comment ça se danse, si les gens sont capables de faire la part des choses ou pas, sachant que ça reste quand même quelque chose de difficile. Tu sors de ta concentration de joueur, etc. Bien évidemment. Je peux tout comprendre, hein, mais bon, voilà, c'est pénible. Bon, on anticipe, oui, ça c'est sûr. Si jamais demain, mais bon, après, on part aussi avec les choses qu'on connaît aujourd'hui et on va là pour savoir ce qui va se passer demain midi. Hein. Pour parler d'un cas individuel, est-ce que Jérôme Hombry est en état de. Ben voilà, lui par exemple, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de faire la part des choses, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc voilà, et après, je suis au courant, on attend l'évolution de la situation. C'est vrai que sur une veille de match, c'est pas très commode. Hein. Tu penses l'emmener quand même? Oui, il vient. Ça veut dire que vous pourriez partir à plus aussi, au cas où demain ça se décante sur place, hein? Oui, c'est possible aussi. Après, on ne va pas partir à 25 non plus. Hein. Mais 19. Ouais, après, même si on fait une feuille de match à 16 ou 17, on ne mourra pas. Hein. Mmh. Jusqu'à preuve du contraire, il y a 3 joueurs qui peuvent rentrer. Certes. Moi, j'ai connu le football, on était 13, donc il n'y avait pas de gardien, il y avait 2 remplaçants. On n'est pas mort. Hein. Ouais.